La fatigue se fait sentir. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait 2 mois qu'on n'a pas respecté notre règle de se poser un petit peu une fois par mois. On commençait à en payer les frais quand on était en Amérique du Sud. On s'était dit qu'on... Il y a trop de bruit là, on va rien entendre. C'est chiant l'Asie, ça fait du bruit tout le temps. C'est peut-être ça aussi qui est fatigant. En Amérique du Sud, on payait les frites. On en payait les frais parce qu'on se reposait très rarement. Et on avait décidé qu'une fois par mois, on se posait pour récupérer un petit peu. Et ça, on l'a pas fait depuis la première semaine à Tahiti. Donc ça fait bien 2 mois qu'on s'est pas posé en fait. Plus le décalage horaire et tout, le changement culturel, le bruit. La nourriture où on se nourrit pas forcément bien, j'avoue qu'on est un peu KO. C'est vrai qu'on a tendance à se nourrir un peu sur le pouce et en général c'est à base de nouilles, de riz blanc et de poulet. Une fois sur deux, c'est épicé. Et puis on transpire pas mal, genre vraiment beaucoup. On doit perdre genre facile 3 litres d'eau et vu qu'on oublie toujours les bouteilles, on doit boire quoi, 1 litre d'eau? Ouais, c'est pas ouf. À Ipoh, troisième plus grande ville de Malaisie, derrière Kuala Lumpur et... Georgetown, je sais plus. Enfin, troisième plus grande ville de Malaisie. C'est une ville assez sympathique parce qu'elle se trouve au milieu des montagnes et des formations rocheuses, ce qui fait que il y a un petit paysage autour assez sympa. Après, le centre-ville, bah, une grande ville, quoi. Donc là, on s'est un peu écarté du centre, même pas trop, hein. Et on allait visiter... Peraktong Temple. Le Peraktong Temple. Et comme d'hab, on n'a pas pris d'eau, on en chie. Mais bon, ça en vaut la peine, c'est joli quand même. La Malaisie, à certaines villes, si t'as pas ton propre scooter ou ta propre voiture, bah tu peux rien faire. Aucun moyen de locomotion. Les bus, il y en a un toutes les 90 minutes, je crois. Si t'as pas de grab, c'est mort. Et pour louer des véhicules, c'est bien relou. Donc on marche, sauf qu'on est crevés tous les deux, donc là on vient de se prendre la tête. On n'a pas internet, donc là elle est partie chercher internet pour pouvoir appeler un grab, pour pouvoir rentrer à l'hôtel. Et... la fatigue. Fatigue, les aléas du voyage. Je sais pas où elle est partie, mais... je la vois plus. On est venus tous les deux là, on va essayer de rentrer, de se poser, de s'hydrater et de se calmer, de repartir sur des bonnes bases. We don't have internet, so we are searching Wi-Fi for calling Grab. You can try to the link. Yeah. Oh, perfect. Thank you. Okay. Thank you very much. On a trouvé internet. On a appelé un Grab. Maintenant, on rentre. Le Grab qu'on vient d'avoir, il est super sympa. On lui a expliqué qu'on voulait aller voir un lac au milieu des montagnes et qu'on n'avait pas pu parce que c'était compliqué pour y aller pour nous. Du coup, il a fait un détour et il nous y a posé juste pour qu'on puisse voir.
poser, on va mettre la clim, on va se faire livrer à bouffer, on va se reposer, on va rien faire. Ah, ça va aller. Thank you. Merci. Je vais casser. Ça va, ça va. Niveau repos, c'est pas ouf. Parce que comme par hasard, ils ont fait les travaux le jour où on a décidé de se reposer. La majeure partie des hôtels ne t'accueille pas avant une certaine heure. Ici, c'est 14h. Donc on a déposé les sacs, en général ils veulent bien. Comme ça on pourra aller à la gare pour prendre notre petit ticket de bus pour aller à notre prochaine destination. On va avoir des plantations de thé. Et en attendant 14h, ben on va se promener parce qu'il y a un grand supermarché. Enfin, un grand mall. C'est leur galerie marchande où tu trouves de tout en général. Donc on pourra aller manger là-bas. Salut Tagi. It's for buying a ticket for going to Cameron Island. Cameron Island. Si, yeah. Le ticket de bus est fait, donc il y en a pour, je crois qu'il y a pour 3 heures de route, on a payé 52 ringgit. 11,17€. 11,17€ pour tous les deux. Maintenant on va manger. On a clairement passé la nuit dans un hammam froid. La pièce était tellement humide. On s'est renseigné pour ce qu'il y avait à faire autour. À Cameron Island, il y a une forêt qui est très connue pour son côté un peu mystique et tropical, quoi. Où tu peux y voir des rafflesias, les plus grosses fleurs du monde. On n'a pas de chance, apparemment la saison c'est le mois prochain. Et de toute façon, l'accès à la forêt est fermé parce qu'apparemment la route serait impraticable. Donc le mont, on ne peut pas y aller, la forêt, on ne peut pas y aller, mais on pourrait quand même faire les plantations de thé et peut-être voir les champs de fraises et des choses comme ça, quoi. Je suis dégoûté pour la rafflesia. Pour les connaisseurs, c'est la grosse fleur qu'il y a sur le dos de Bulbizarre ou de Florizarre, je sais plus. Un des deux. La grosse fleur. La grosse fleur rouge. Ça, apparemment, elle pue. La saison, du coup, la dame nous disait que c'était à partir de mi-juillet. Mais en fait, cette fleur, elle est difficile à voir parce que il n'y a que très très peu de jours de floraison. C'est ça. Donc tu peux arriver le lendemain et la fleur, elle n'y est plus, quoi. C'est ça. Très rare à trouver, quoi. Donc là on va essayer de trouver un scooter à louer. Apparemment c'est le double du prix de l'Ankawi, mais bon, au moins ça nous permettra de nous promener dans la région des montagnes, en espérant qu'il fasse pas trop moche, parce que qui dit montagne dit changement de temps rapide. Et j'ai froid. Moi je suis trop bien, maintenant elle a froid. Et ça fait trop du bien. Oui, après oui, ça fait du bien de ressentir le froid. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je parle de mauvais temps, il pleut direct. Tous les matins, on se prend une petite boisson au 7-Eleven. Du thé tarik, du matcha latte, du chocolat, du café au lait fort. Et t'as l'eau chaude à disposition, t'as juste à remplir ton gobelet. Bon, on n'a pas trop de chance, il faisait beau les jours avant notre arrivée et il fera normalement un peu plus beau les jours après notre départ. C'est dingue. Me dire tiens, il faut que je parle, il n'y a personne, il n'y a aucune voiture ni rien. Je sors le téléphone, il y a tout Cameron Island. C'est un truc de ouf. Donc ouais, même s'il fait pas très très beau, ça va, il n'y a pas l'air de trop pleuvoir non plus. C'est juste très nuageux et il y a une petite brume. Donc à mon avis, on pourra quand même un peu visiter les alentours, même s'il ne fera pas super beau. Donc là, direction plantation de thé.
bon, il pleut pas mal, donc on s'est rabattu, enfin on s'est réfugié dans un... une ferme papillon. Apparemment, il y a plus que des papillons à voir. Donc on va aller voir ça le temps que la pluie se calme un peu. À la ferme des papillons, juste à côté, il y avait une ferme aux fraises et à la lavande. Apparemment, la lavande, c'est pas la même qu'en France. On a passé. Bon, la ferme propose des glaces faites avec les produits de la ferme, donc à la lavande, à la fraise. C'est perturbant, la lavande. Mmh. Ça a vraiment le goût de la fraise, quoi. Mais la lavande, c'est particulier. Ouais, t'as l'impression de manger de l'huile essentielle. Bon, Marie-Ange, faut que tu testes. À la zone des fraises et en fait tu peux les ramasser toi-même. Ensuite bon, tu payes au gramme. Ben, y en a pas mal quand même. On est censé pouvoir les ramasser sauf que les portes ont l'air fermées et on voit personne au guichet pour pouvoir rentrer dans les rayons. Donc je suis pas sûr qu'on puisse les cueillir nous-mêmes. Après j'ai vu des barquettes en vente en bas mais... Bon, c'est peut-être à cause du Covid qu'on n'a plus le droit de les cueillir. Bon, du coup, ils les préparent eux-mêmes, les barquettes. Donc, c'est moins sympa de faire la cueillette soi-même, mais bon. Vous sentez l'odeur, là ? Ouais, c'est une fraise, quoi. Une fraise. C'est trop bonne. On est arrivé du coup à Bo Tea Center. Donc en fait, il faut savoir qu'en Malaisie, il y a un thé qui est très réputé, c'est le thé Bo. Et ouais. Et les productions de thé sont faites ici, à Cameroon Island. Du coup, tout ça là-bas, c'est des champs de thé. C'est beau. L'accès à l'usine en fait est fermé pour cause de maintenance, donc temporairement c'est pas possible de la visiter. Donc, tant pis, on aurait vu les plantations mais pas l'usine. Et ça sent aller... super bon. Ouais. On va aller goûter du thé du coup. Moi j'ai opté pour un thé noir thé de la passion. Il est même meilleur que celui de Moliette, les vrais sables.
On descend de Cameron Island, on se dirige vers Kuala Selangor. Kuala Selangor en passant par Kuala Lumpur. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bus qui vont directement à Kuala Selangor. C'est une petite ville sur la côte et normalement on devrait pouvoir voir des lucioles. Des lucioles, là-bas il y a la plus grande colonie de lucioles. Vous verrez ça dans le prochain vlog. Hein. Et en attendant, concernant la question du lundi, qui était de quelle couleur est le bourdon. Le bourdon était bien bleu et c'est Grégory qui a répondu juste. Donc il nous a donné un petit défi qui était de reproduire une scène très culte de Jim Carrey avec What is Love. Et il fallait la reproduire soit dans un grab, soit dans un bus. Bon, nous en l'occurrence, là. Ça sera dans un bus. Attends, y a pas le son.